Sans vous dire que son niveau de confiance est au plus haut, on se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Bonsoir à toutes et à tous, si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. Place à ce match de phase de groupe à suivre ensemble. Et tout. Oh, ça peut aller au but! Et ça joue avec Messi. Intervention réussie sur ce ballon. Combinaison, ça joue en deux temps. Et c'est un nouveau corner. C'est joué court. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Bien parti dans le dos. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Petite astuce, c'est joué court. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ballon qui est sorti, remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Et ça joue avec Messi. Avantage laissé à Paris après cette faute. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. Oh, la tentative! Et ça rentre! Voilà le premier but! Très rapidement, ce match est lancé! La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. C'est reparti dans cette rencontre. Paris est mené d'un but. Nuno Mendes. Verratti. Le ballon sur Léo Messi. Messi. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Grosse présence au contact. Ballon récupéré dans le camp adverse. A mal donné le centre. C'est facile pour le gardien. Et c'est bien défendu, sans faute. Message personnel pour Denis. Kylian Mbappé, balle au pied. Et ça joue avec Messi. Tir contré, sans difficulté. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. La contre-attaque était pourtant prometteuse, mais elle est finalement mal négociée. Et donc, le ballon est perdu. À excellente couverture de balle pour résister à la pression. Vitinha. À nouveau vers Mukiele. Le centre qui est contré. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Très bonne progression, balle au pied. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Messi, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Avec Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Très bonne lecture de la trajectoire sur son plongeon. L'équipe tente une combinaison. Avec Kylian Mbappé.
Et oui, Sergio Ramos. Le tir en finesse plutôt qu'en force, c'était pourtant une bonne idée. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire. C'est ça le football. Mais si derrière tu rates ta frappe, ça ne sert à rien. L'équipe locale n'a pas la maîtrise du ballon. Pourtant, les chiffres de la possession, ça ne dit rien sur la dynamique d'un match. Il n'est pas nécessaire d'avoir souvent le ballon. Si tu marques à chaque fois que tu le récupères, ça suffit pour gagner un match. Ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour le PSG. Fabian Ruiz. Ah, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et ça joue avec Messi. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Un ballon récupéré. Oh, ça peut aller au but. Mbappé. Quel arrêt, quel réflexe. À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond du filet. Petit jeu court. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Danilo. Et la passe pour Verratti. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Ah, c'est plutôt rare, mais les stats aujourd'hui de Kylian Mbappé ne sont pas aussi brillantes que d'habitude. Et on attend plus de lui. C'est bizarre. On voit que sur les ballons joués, il n'en touche presque pas dans la zone de vérité. Quand tu es attaquant, c'est comme un sommeil sans rêve.
Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Alors avec le centre, oui, mais malheureusement, personne pour reprendre. Marquinhos. Ah, c'est pour Danilo. Kylian Mbappé. Vitinha. Sur l'aile, le Paris Saint-Germain, un petit peu de liberté. Avec Kylian Mbappé. Et le tir part bien. Et le gardien s'interpose sur ce plongeon. Et un changement côté parisien. Allez, c'est joué court. Et il remporte son duel, bien défendu. Pas de faute, c'est bien défendu. Le ballon en touche. Ouais, bonne récupération du ballon. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Oh, Neymar, il est bien servi. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Et ça joue dans un petit périmètre. Ah, dommage, c'est contré le centre. C'est dangereux, mais finalement, c'est en corner. Le ballon est joué court. Et oui, le coup de sifflet, là, c'est un coup franc pour Paris. Et un changement, donc. C'est joué court sur ce coup franc. Ah, le contre est possible. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. La contre-attaque était vraiment très belle, mais la finition alors. C'est embêtant que ça finisse comme ça. Tout était bien fait, sauf la... Le PSG qui va faire un changement. Fabien Ruiz. Ah, c'est une passe en profondeur, dangereuse, mais bien interceptée. Ballon sorti, renvoie au 6 mètres. Et le pressing sur le porteur. Le ballon en touche. Ah, il perd ce ballon. Ah, le ballon intéressant. Ah, ce ballon est renvoyé, c'est donc un corner. Ah, le changement est demandé et il a lieu. Corner. Pas vraiment de danger là sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Ah non, la bonne deuxième intervention, bon jaillissement. Ramos. Et ça joue avec Messi. Oui, c'est bien fait ça, touche à suivre. Oui, c'est récupéré ça. Renato Sanchez. Ah, c'est pour Lionel Messi. Verratti.
Le ballon pour Neymar. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. Les mains dans la tête. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. L'arbitre qui décide de revenir à la faute. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Mukiele reçoit le ballon. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Attention, le ballon leur échappe. Renato Sanchez. Allez, c'est le moment pour Paris de tenter quelque chose pour revenir. Ah, le temps passe et ce corner, c'est peut-être une occasion de but. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Le corner. Ah, l'option de la contre-attaque est possible. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Ah, la tête la première dans les pieds, c'est courageux comme intervention. On le sait d'ailleurs, hein, il faut une grande folie pour jouer au but. Marco Verratti. En direction de Fabian Ruiz. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Le ballon change de camp. Marco Verratti. Le ballon sur Léo Messi. Kylian Mbappé. C'est peut-être là une des dernières attaques pour Paris. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Un bon timing, très bonne intervention dans les pieds. C'est toujours risqué de se jeter comme ça, mais là c'était parfait. Et donc là-dessus, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Le PSG échoue. Et quand on regarde attentivement le contenu de leurs prestations, on a vu un football mécanique, incapable de produire du danger. Une défaite surprenante sur le papier, mais parfaitement logique dans le jeu.